une activité importante que la ville de Buna va accueillir. Il s'agit de la cérémonie d'hommage du district du Zanzan au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous l'avez vu, le président a posé des actes importants dans notre district. Je pense que les orateurs à venir vont pouvoir appuyer cela. Nous avons été un district défavorisé par le passé, très en retard en termes d'infrastructures socio-économiques. Et on note une véritable amorce de la mise à niveau du Zanzan par rapport au reste du territoire national. Nous avons des préoccupations spécifiques en termes d'eau potable, en termes de scolarisation, et on a noté que le président a su saisir nos difficultés d'électrification et il est en train d'apporter des solutions à cela. Et nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions organiser une cérémonie de reconnaissance, d'hommage et de soutien au président de la République. Et depuis quelque temps, donc, quelques cadres, dont moi-même, avons commencé à réfléchir à l'idée et à essayer de l'organiser. Et nous avons projeté donc de le faire selon un calendrier sur lequel nous avons commencé à travailler. L'idée est avancée, nous avons commencé à informer les parents au village de façon informelle. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est de faire l'annonce officielle pour dire que le processus est engagé, pour dire que nous sommes dans un processus de non-retour. C'est l'objectif de la réunion. On vous avait invité à cette réunion donc dans l'optique donc de vous annoncer cette cérémonie qui était initialement prévue pour le 18 novembre. Bien sûr, on a souhaité que à la fois nos patrons, nos collègues, que du beau monde se retrouve à Buna aux côtés des fils de tous les départements du Zanzan pour pouvoir magnifier le président de la République. Compte tenu des calendriers de nos responsables, du calendrier politique à Abidjan, du calendrier social aussi, on s'est concerté, on a proposé que la cérémonie ait lieu le 25. Donc juste un décalage d'une semaine, la cérémonie aura lieu le 25 novembre à Buna. Donc l'objectif vraiment de la réunion, c'est pour vous donner cette information, mais également demander que chacune et chacun se mobilise pour faire de cette rencontre une réussite. Il y a eu beaucoup de cérémonies de soutien et d'hommage au président de la République en Côte d'Ivoire, mais ça va être la première fois que dans le Zanzan, nous organisons une telle cérémonie. Et vraiment, nous voulions pouvoir compter sur l'implication, la participation effective et l'engagement de toutes et de chacun. C'est un peu le message que je livre donc au nom de la table de séance, mais également au nom de tous les cadres qui ont commencé à travailler, qui ont eu déjà beaucoup de séances de travail, on a eu beaucoup de réunions, les préparatifs sont avancés. Nous aurions été prêts le 18. Le 25, on sera encore plus prêts. Et je suis sûre que le Zanzan va sortir nombreux pour accueillir ses hôtes et faire de cette journée une journée mémorable dans le Zanzan. Je voulais m'arrêter là. Merci beaucoup.